stress. Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'espace ça. Si c'est la première fois où vous montez par ici, là, eh bien, on va peser le bouton subscribe ou bien abonner. Pesez cloche là pour être capable de jouer toutes les notifications et informations que vous partagez pour vous. Mes amis, nous pensons que nous avons une bonne information et que ça qui a rapport avec bien tension, ça. Suspense, tension qui gagnait au niveau du Moyen-Orient. Nous, comme nouvelle là, Donald Trump qui vide à terre, une stratégie en général de l'Iran. Depuis ça, tout le monde. C'est qu'est cassé pour ça pour le passé pour ça qu'a passé dans mon appareil. En bon, on résume. D'abord, faut dire que il a envoyé des roquettes sur des bases militaires qui gagnent des soldats américains dans zone. OK? Donc gagne un projectile qui tombé dans zone côté que ambassade américaine et Touveli notamment en Irak, c'est une chaîne de télévision israélienne qui a annoncé ça. Et n'a pas le bâtiment ça a été attaqué lundi dernier côté que il y a des milliers de combattants iraniens qui étaient attaqués le Tigantan et vidé en partie la donne ça qu'a américain dit pinga et donc nous bien tout là c'est deux obus mortiers qui abattent sous zone ça les zones vertes dans Bagdad Irak côté que ambassade américaine yo attaqué côté où était attaqué ambassade américaine donc mais en tout cas ça fait tout c'est que ça c'est beaucoup rien parce que Iran déclare, mais ça le dit. Il dit, nous n'avons pas le choix, il faut que nous attaquions les États-Unis. D'après Iran, si ils n'ont pas attaqué, les États-Unis prennent ça pour piller, ils connaissent qu'ils n'ont pas de problème, et bien, ils pensent que n'importe qui, ils ont choisi tout le monde, donc il faut avoir une réponse. Mais il faut bien, du côté des États-Unis, ils connaissent pas de réponse. Les experts, généralement, ils disent eux-mêmes, ce n'est pas une question de si Iran n'a pas attaqué, mais c'est qui est, qui bon. C'est ça qu'a parlé là. OK? Et qui est qui bon? Maintenant, Donald Trump, bon côté parle, il a dit lui-même, il a 52 sites iraniens que le ciblé pour le vider à terre. 52. Si jamais il y a des buildings américains, des assets, des actifs américains qui t'a brisé ou bien qui t'a gagné des vies américaines qui t'a perdu. Lui-même, il a dit qu'il y a 52 sites iraniens qui ont visé là pour yo t'a bombardé. OK? Et on dit en fait c'est Trump qui a parlé bien entendu. Il dit la very fast nous connaissons Trump, very fast, very hard. En fait, ça qui est un petit genre problème dans bas. Ça c'est que Trump c'est sur Twitter, il fait déclaration ça. Même moi c'est que je dis il faut que quelqu'un dans Maison Blanche qui vous dit monsieur, ça qui a parlé là, c'est sérieux. Il a parlé de sécurité nationale, bah ça va pas arriver sur Twitter. Sont des autres liés. OK? Donc nous pensons que il faut bah ça a commencé et dans bureau pour eux. OK? Donc Maison Blanche tout il était voyé et notifié par Congrès que Iran va l'attaquer. Et d'après eux-mêmes, c'est pas une question de Iran pas attendre moi pour commencer par réponse. En ce sens toute bagarre en alerte et eux-mêmes parler de capable gain des attaques cybernétiques dans le sens que le capable choisir mess top programme computer, nous connaissons. Attaque computer contre Piterib, qui attaque ou fait sous monde, parce que, comme vous avez dit, lorsque vous avez une cyberattaque, on va être chargé. Tension qui continue à continuer et qui prend escale chaque jour. Et Fon Biendou, c'est justement après où tu fini tout le général, la bagarre la vine, mangomé. Mais on a pas la voilà, et yo, c'est qu'on a ramené corps, commandant iranien, nous va dire commandant Kassem. Soleimani en Irak, yo a ramené quoi? Pas bien que c'est en Irak que je démouri. Ben David dit qui ça? Ça vous comprenez la cause ça? C'est que Iran a une influence en Irak. Une bonne partie moun nous appelé cause ça. Pays ça a été toujours en ruine en Irak. Moun qui l'a longtemps. Nous changez pays ça a fait des dizaines, des décennies à boumer. Ok? Mais dans ça qui vient passer ces derniers jours, c'est que Iran a un pile allié en Irak. Une bonne base, une bonne entraînement. C'est ça que le commandant Iran, c'est en Irak que l'a trouvé la molle. Côté que c'est à travers un drone, il était strike. Il était passé l'autre, et puis il s'était joint la molle. Maintenant, ça vous comprendre la cause ça. D'après National Security Advisor, là, mais ça le dit. Il dit que Donald Trump, en fait, il défend Donald Trump, mais ça le dit. Il défend Donald Trump. Il dit Donald Trump, comprenez bien, il a toujours parlé dans ce Donald Trump, mais il faut entendre ça le dire. Il dit que Donald Trump n'a pas de blé trouillé Kassem Soleimani dans Bagdad. Il dit Donald Trump est
fait un pile réserve sous causer ça, il va devoir attaquer. Et lorsque il va devoir faire attaque là. Mais il dit que Soleimani, en parlant de commandant de Irak là, avant commandant de Iran, excusez-nous, il t'a voyagé dans la région, il t'a un plan pour te attaquer des Américains avec des alliés que il gagnait dans pays Irak. Alliés que Iran gagne tant coup en Irak, mais aussi il dit qu'il y a des alliés dans Syrie, dans Lebanon. Et donc service d'intelligence dit que il était en processus pour yo te faire un plan pour te mener attaque là et pour yo te agir en fait, yo t'a essayé et justement yo même yo dit en fait en parlant, c'est pas bien mon cap parler de vous, c'est directeur de service intelligence là. Il dit que yo agi c'est justement pour être capable de défendre vie monde parce que d'après eux même commandant t'es gagné pour l'attaque. Mais attention, pas bien que n'après appelé les gens guerre Irak là, t'es fait parce que t'es dit Irak t'es grand pile produit chimique. On pile ba gros guerre fait en Irak et pourtant là aller pas gagner. Mais fois ça expert là, il peut comprendre que général là capable l'attaquer. N'a pas rien dit que c'est vrai, mais ça dit. Li dit tout dans le passé, bon peut-être ça va dire à bon sens. Li dit dans le passé, il dit avant Zach ça, côté que tout est général là. Et Donald Trump te fait un pile restreint lorsque te gagne pour par exemple, il parlait de la mort, il était avec en parlant de mon Iran en Iran, il était touillé de contracteurs américains civils en roquette qui ont été voyé dans base qui est qui tout près qui au Cook en Irak. Ça passait le 27 décembre. Non, après répétez-vous. Non, roquette qui ont été tiré non base tout près ni en Cook en Irak le 27 décembre. Yo en fait c'est des attaques de Lyon. Je dis c'est tu relais ça des provocations terrifiques. Eh bien yo t'ai touillé des Américains qui c'est des contracteurs. Contracteur m'a konn nan ki ça bien entendu. Mais tout le monde connaît des pour dans zone ça aux zones Iran Irak en Orient, c'est côté gain tout temps on t'a tiré ça qu'arrivé que gain Américain mouri. Elle est là qui est tombé. Il va pas dire roquette pas tombé là parce que gars américain des pour dans mi temps bataille. OK? Mais dans lui dit en fait d'après lui même c'est ça qui fait red line. Ça t'avait dit que ça depuis les autres tués civils là, mais depuis les ça finalement il dit tué américain, il oublie c'est l'autre monde dans attaque 27 décembre là. Et ben il dit d'après ça président te dit c'est red line là. OK? You funny cause the red line. OK? Maintenant ça vous comprendre là. Même je nous avec la playlist, monsieur pas les bails qui t'est passé déjà. Nous qu'à comprendre, son bail qui passé depuis le 27 décembre. Ça t'a dit d'après monsieur depuis le 27 décembre là, il t'a des bails en réponse. Nous penser que tu as prendre monter que le compte bail réponse déjà. Il dit qu'il doit choisir même côté à et retirer des trois hélicoptères et puis extraire quelques bases. Bon, moi bien, ça est logique n'a pas. Pour qui ça que vous choisissez les janvier 2020, ou à tout le commandant, ce n'est pas n'importe qui. Nous parlons de commandant de l'armée, un véritable stratège. Et dit son élément clé que le en tout cas, n'est-ce pas, baillon histoire là. Et nous devons comprendre, les dit qu'il y a des Américains civils qui mourent. Même 27 décembre, ça, nous devons mettre mon au courant. Et puis, il dit contracteur, il va dire dans qui cadre ça va mourir. Est-ce que ça va pas mourir dans le sens que vous travaillez avec des militaires, parce que vous des civils et des contracteurs. Par contre, vous comprenez. Parce que nous connaissons qu'on gagne ça des forces privées militaires à Boïsit. Même genre, par exemple, nous connaissons que, par exemple, gagne Jovenel, nous connaissons que l'IT fait un contrat avec des forces privées militaires qui pourraient la sécurité. Il y a des tout détail. Bon, on a dit, ça y a pas Jovenel sécurité. Et puis, il y a une manifestation, on a pété et puis on mourit. Est-ce que nous avons dit, c'est ça les. Et c'est ça nous relève justement des séries de bagailles qu'on ne peut pas prévoir. OK? Mais d'après général, là, c'est depuis les Sahara, il t'a dit que l'Iran fait course, traverser ligne rouge là. Donc d'après lui-même, depuis 27 décembre, ça, c'est la raison qui provoquait la mort générale là. OK? En tout cas, sécurité et service sécurité, ils profitent et ils voient un avertissement. Bah, ils rencontrent. Réponse.
Je dis, si décision, si décision, on décide de move, eh bien, Américain a bail de sévères conséquences. Comme quoi, dire bagage, ça va faire y ramper. Et ça, vous comprenez la cause de ça. Bien que Donald Trump dit que Iran a agi dans Wix, et vous t'en parlez, il dit que Iran va agir dans Wix. C'est vrai que Iran a agi dans Wix. Et tout le monde a consacré l'Iran. Il a consacré l'Iran. Iran n'a pas jamais voté coup pour le monde. Et vous tout connaissez d'autres experts qui dit que Iran doit attendre patiemment, poser, attendre, leur penser le bioli, pao! Il m'a dit, il faut payer pour sauver. Et là, on a le moyen fort. C'est ça. Parce que la première fois, non, il y a une revanche sur Iran. Il fait déjà. Il a dit, c'est dans le passé, Iran s'est fait promesse pour le revenger US attaque. Ok? Donc, il dit, il va le faire. Ils ont dit que Libralfon, d'après ça, dit, d'après des experts, M. Libralfon plan patiemment et la répondre par un acte terroriste qui a terrible pour les États-Unis. C'est sa porte-parole qui fait qu'on est. En parlant de Abalzovi, Chekasi, c'est ça qu'il fait qu'on est. Je dis, on va répondre de manière terrible. Et ils ont dit, attendez bien, ils ont dit, we are the one that set the time and place pour recevoir la réponse. Je vais expliquer. Par exemple, tout le monde a parlé. Ils ont dit, pas occuper personne, c'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui parlent qu'on est qui l'est, qui bo. Il y a pas réponse ça. Et ils dit, résistance qu'il y a fait contre agression, pas affaibli par, eh bien, assassinat de commandant. Ok? Donc voilà. maintenant, pas bon ici. Et il y a un peu de monde qui a réagi. Gagne Nancy Pelosi, il dit, suivant, elle dit, pouvoir pour faire la guerre, et Maison Blanche supposée formellement notifier Congrès à 48 heures avant que l'entrée dans l'hostilité. Tenez bien, et Pelosi dit, d'après ça qui écrit US War Power Act, n'abtend des autres dialogues, US War Power Act. Ça veut dire qui ça? S'il est vrai que yo di moun k'ap décidé qui pral gen la guerre, c'est la présidence. Mais yo di suivant la loi, président li gen obligation pour notifier Congrès à 48 heures à l'avance avant l'entrée dans toute hostilité. Maison Blanche notifier Congrès à, mais House Speaker a dit dans une déclaration, gen en pile question qui pa gen réponse. Document yo montrer des sérieux questions concernant timing. Nous en 2020 à la veille de l'élection. Façon et justification administration prend pour l'engager dans de pareilles hostilités. Président Donald Trump, tout nous connaît le bruit avertissement par Iran à travers Twitter. On te kiyande tout à l'heure, il y a 52 côtés le grand prend. Et président iranien, beaucoup de parler, grand parler avec plusieurs. L'autre autorité dans le jeune Moyen-Orient, en tant que président de Turquie, et nous voulons parler de Erdogan. Il parle avec le téléphone. Et il dit clair, il n'y a pas de silence. Si il y a silence, les Américains pourront continuer à montrer que pour le faire, ça l'a fait là. Mais tout le monde, que ce soit la France, la Germanie, la Chine, il y a tout le Iran. Il n'y a pas l'Iran pour nous dire calmer, ça y a ça deux choses. Pas bien, il y a un accord avec l'Iran sur cause de dénucléarisation. Mais non, ça, est-ce que ça va pas rentrer dans l'eau parce que yo blessé Iran lui-même va commencer à frapper. Donc voilà, et donc mes gens causés à mes amis, et nous autres nous suivons et pour nous porter dernier update pour de ça qu'a fait sous causé et bien Iran parce que li concerné en fait ensemble communauté haïtienne qui vit pas aux États-Unis, mais nous même tout qui l'autre côté qui vont grand monde pas voir ici et donc c'est une situation un peu difficile. Nous à la veille des élections et en pile monde dit Trump capable d'exploiter et guerre là pour capable ouais s'il ira gagner élection. Donc voilà, nous vous pouvez update ça pour et toute dernière information qui sortit à la minute. Mais gens tout là tout monde à suivre là. On doit lever là et pour tendre bah éclater. Tout monde à suivre ça qui va le passer là. OK?
Donc nous autres, nous autres n'apportez pour toute dernière information. Portez-nous bien.